Bonjour tout le monde, c'est Tony38 pour une nouvelle vidéo qu'on va appeler la vidéo Comeback où je vais vous parler de comment augmenter les caractéristiques de vos personnages sur le jeu Cube World. Alors déjà dans la description je vous fournirai le caractère editor V04B et Cube World. Cube World craqué, il va prendre beaucoup de place et pour le téléchargement ça va être très très rapide. Alors déjà il vous faudra donc mon Cube World craqué. Si ça vous plaît vraiment Cube World, achetez-le franchement. Vous aurez juste besoin de lancer Cube et d'avoir déjà créé un personnage. Vous aurez besoin donc de lancer Character Editor. Voilà. Vous choisissez le personnage que vous voulez. Donc moi j'ai pris Julien. Donc là après vous choisissez ce que vous voulez. Dans le level, eh bien, vous choisissez l'expérience, donc le level que vous voulez, Sniper Rangers, mâle, femelle, race humain. Ouais, et dans l'expérience, en fait, vous choisissez par exemple le nombre d'expériences que vous voulez. Et dans les skills, eh bien, vous devez mettre pile le nombre d'expériences nécessaires. En gros, je veux dire, le total doit faire le nombre d'expériences. Pets, vous choisissez par exemple le nom de votre caractère. Je vais l'appeler Draven. Hop, save. Dans l'inventaire, par exemple, là, ici, par exemple, je vais vous montrer. J'ai envie d'acheter, de mettre, par exemple... Non, pas des potions de vie, tiens. Je vais prendre... Allez, consommable, mais pas des cookies, mais des bombes. Et on va en mettre 200 aussi. Hop, et vous faites save. Voilà, équipement, about, voilà. Maintenant, après, c'est très rapide et vous comprenez. Par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, allez, on va dire, donne, vous voulez une épée, par exemple. Vous choisissez la rareté, légendaire, son nom, par exemple, fabuleuse, le matériau. Donc, vous pouvez tout choisir, hein. Voir rubis, le level que vous voulez, 155, et 1. Et voilà, vous faites save. Et maintenant, ici, vous avez Fabulous Rubies World of Pickies. Voilà. Tac. Ici, vous avez Error. Normal, enfin... Quand ça fait Error, vaut mieux pas y toucher, vaut mieux faire clic droit et mettre None, et voilà. Voilà, quand ça fait ça, par exemple, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre. Non, c'est pour une... La valeur 0 n'est pas valide. Ouais. Count, et bon, mais 1. Voilà. Bref, c'est buggé. Hop, modifier, non, subtitle, count. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas grave. Évitez des fois de trifouiller, si ça marche pas, relancez. Voilà, moi j'ai fait une petite bêtise. Après, c'est à votre goût. C'est selon votre goût. Donc, par exemple, là, je vais lancer... Cube World. Hop. Hop, petit... Voilà, hop. Ici, Start Game. Hop, je choisis Julien, vous voyez bien mon level. Select la map. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Draven ici. On a les cookies. Donc, en bas à gauche. Enfin, je sais pas si vous voyez. Si je fais C, donc non, V, non, attendez. Je trouve l'inventaire parce que je suis pas très fan de Cube World. Enfin, voilà. C'est juste un petit tutoriel pour vous. Voilà. Et on peut voir que j'ai l'épée que j'ai ajoutée depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Je vous compresse tout ça, j'enlève ma sauvegarde et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, c'était Titouné pour la chaîne Titouné Gaming et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits tutos. Allez, ciao ciao!